Le rouleau voyage sur le fleuve à la première neige, mesure 25,9 cm de long et 376,5 cm de large. À l'encre et couleur sur soie, constituant une œuvre transmise de génération en génération du peintre Zhao Gan. Zhao Gan est spécialement fort en peinture des paysages de la région du Jiangnan, sud du fleuve Yangtze. Il aime bien utiliser les paysages naturels et les personnages vivants de la peinture pour s'exprimer. Cette œuvre d'art en est un bon exemple, qui représente des pêcheurs au travail dans un village de pêche le long du fleuve Yangtze durant la première neige. Du côté de la forêt de bambou, un pêcheur puise de l'eau au fleuve sur un quai rudimentaire. Quelques bateaux de pêche conduits à la perche sillonnent le fleuve. Deux garçons de pêche pataugent dans l'eau. Sur un bateau qui n'est pas loin, deux pêcheurs se tiennent à l'avant du bateau et travaillent ensemble pour attraper des poissons, même face à la neige et au vent. En amont du fleuve, deux bateaux sont attachés ensemble, à bord desquels un pêcheur jette le filet. Il y a deux pêcheurs qui se blottissent sous des nattes de paille pour éviter le froid. Un bateau léger navigue sur une vaste étendue d'eau au loin, conduit par deux hommes à la perche, pour transporter des passagers vêtus de costumes colorés. Sur un petit pont au bord du fleuve, la fumée de cuisine s'élève doucement. Cette scène silencieuse relève les vicissitudes sans fin de la vie des travailleurs. Le ciel est clair et le temps est froid. Des arbres sont inclinés et éparpillés sur le sol. Des taches de pigments blancs sont dispersées sur l'encre, comme des flocons de neige dans le vent, et rendent la scène encore plus dynamique et permettant aux spectateurs de sentir le vent d'hiver. Depuis lors, l'âge d'or de la dynastie des Tang, 618-907, s'éteint progressivement. Cependant, voyage sur le fleuve à la première neige subsiste jusqu'à présent.